Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis venu pour vous faire une séance d'accompagnement. Vous savez, j'ai toujours dit, ou j'ai souvent dit que pour être un bon guitariste, il faut savoir accompagner, que c'est pas les solos qui vont vous rendre, qui vont vous démarquer. Hein. Si vous voulez manger du pain, avec l'instrument, bien sûr, il faut savoir accompagner. D'accord ? Alors, bien sûr, je ne peux pas vous mettre toutes les idées d'accompagnement dans une seule vidéo, donc j'ai choisi un style et donc vous allez l'entendre, mais je montre les accords que je mets. Je mets un Do, Sol, La, Sol, encore, Do, Sol. Ça va comme ça. Stab, donc c'est une phrase mélodique mais basée sur l'harmonie. Ça va comme ça. Donc c'est des astuces que les bœufs, parce qu'en fait c'est une gamme de blues, hein. Alors, inspiré sur le truc hein, et aussi des trucs que les bluesers vont faire pour embellir une ligne. Donc c'est des double stabs, ça s'appelle, et c'est une phrase harmonique basée sur la mélodie. Alors vous pouvez, il y a cette idée que vous pouvez faire, et vous pouvez mettre beaucoup d'autres choses, hein, parce que le style il est funk mais basé sur une gamme blues. C'est un peu à la Otis Redding. Alors vous pouvez faire des trucs de funk, mais vous pouvez faire aussi des trucs church. Je vous donne une idée. D'accord ?
Vous pouvez aussi faire des cocottes. Alors, vous pouvez les mettre sur la pêche, genre. Ça, c'est un truc qui était très à la mode dans les années 60. C'est-à-dire prendre une cocotte, un arpège de basse. C'est un bassiste qui devrait faire. Il est répété par le guitariste. Donc. Voilà, trois idées des cocottes. Alors, je vous mets cette vidéo avec l'idée, surtout pour les gens qui jouent avec d'autres guitaristes, hein, on ne va pas répéter tout ça, on ne va pas jouer. C'est-à-dire qu'il y a un guitariste qui fait ça. Et moi aussi, je vais faire. Hein? Il faut trouver d'autres astuces. Il faut trouver d'autres astuces. Et donc, c'est dans cet esprit que je vous donne des astuces à faire, quoi. Hein? Donc, il y avait une seule. Et le truc de fin. Je joue un Fa, un La mineur, et j'ajoute le majeur. C'est ça, en fait. Maintenant, pour des idées de solo, je ne veux pas le faire. Mais bon. Thank you.
à travailler les cocottes, les arpèges, tout ça. Salut!